This channel is part of the History Hit Network. Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, vous êtes accusée d'avoir conspiré contre la France. Vous serez écrouée dans cette prison jusqu'à la date de votre procès, date qui sera fixée par un nouveau décret de la Convention. A woman swept up in the turmoil of history. Plus personne ne veut de la veuve Capet. Si elle n'a plus de valeur politique, tuons-la. Les temps révolutionnaires réclament des mesures extrêmes, alors... Soyons terribles. A queen, accused and soon to be judged by her people. Mieux voter le diable avant qu'il nous tue! A mother whose private thoughts we know, trapped in a situation that will devour her as well as reveal her. Ces objets sont des souvenirs de mon mari que vous avez guillotiné et de mes enfants que vous m'avez arrachés. Less than 4 years have elapsed between the storming of the Bastille and the revolution, tipping over into violence in the year of fear, 1793, the reign of terror. Quick! La veuve raccourcie, c'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. The last queen of France, emblem of a groping, soon to be lost republic. Citoyens, ce soir, une terrible question s'offre à nous. Saurons-nous être libres sans être des assassins? Les jurés sont censés être tirés au sort. Et on ne peut pas laisser une affaire comme celle-ci entre les mains du hasard. This is the true chronicle of the last 76 days of Marie Antoinette. Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. A shadowy part of the difficult climb to equality. 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, 24. 8 fois 4, 8 fois 4. Alors, 8 fois 4? 32. Non, mauvaise réponse. Réfléchis. By the month of January 1793, France has been a republic for 4 months. Alors? Vous êtes sûr que 32 n'est pas la bonne réponse? Suggérez-vous que je ne connaisse pas mes tables de multiplication. 8 fois 4... 34? Votre réponse était la bonne. 32. En revanche, votre attitude ne l'était pas. Vous manquez d'assurance, Charles. Ne laissez personne penser à votre place. Agissez selon votre cœur et vos convictions. Prenez conseil, mais ne vous rangez jamais à l'avis de la dernière personne qui a parlé. Soyez vous-même, toujours. C'est bien, mon chou d'amour. 8 fois 5, 40. C'est bien. 8 fois 6... Today, by order of the people's elected representatives, Louis XVI died, guillotined in the public square. Sire, vous êtes désormais le roi de France. Marie Antoinette, wife of Louis XVI, and their son, the Dauphin Charles, are detained in the tower of the temple with the other members of the royal family, their eldest daughter, Marie Thérèse, and the king's sister, Elizabeth. In 1793, the sacred power of kings is swept away by the revolution, transformed into revolutionary sections by the sans-culottes. The churches of the Paris Commune are abuzz to a new cult, freedom,
and a new belief, equality. What fate do the people reserve for their fallen sovereign? One man will decide, Robespierre. The man they nickname Incorruptible is the new strongman of the revolution. He has just inducted the all-powerful Committee of Public Safety, a product of the elected assembly, then called the Convention, which governs France. But this power is threatened. On the border, the armies of neighboring monarchies are massing, allied against a revolutionary France. Among them, Austria, Marie Antoinette's homeland. Inland, the royalist Vendée rises up. The Republic is in danger. The street is calling for a victim as atoned. In this populist fury, the extremists see opportunity. At their head, Hébert, eminent member of the Paris Commune, Robespierre's most dangerous rival. In this struggle for power, Marie Antoinette's life becomes a political issue. Rosalie, réveille-toi, les voilà qui arrivent. Dépêche-toi, viens. 6 months have passed since the king's death. Pressured by the street, officials voted to transfer Marie Antoinette to the Revolutionary Tribunal Prison, the Conciergerie. Suite au décret de la Convention du 1er août 1793, Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, vous êtes accusée d'avoir conspiré contre la France. Vous serez écrouée dans cette prison jusqu'à la date de votre procès, date qui sera fixée par un nouveau décret de la Convention. Citoyen, faites votre office. Family and possessions gone, Marie Antoinette is now alone. Indicted by this special tribunal set up to eliminate enemies of the Republic, in this new prison that the inmates call the Antechamber of Death. Je suis la citoyenne Richard, la femme du concierge. Et voici Rosalie, notre cuisinière. Bonne nuit. Pourriez-vous me laisser un peu de lumière? Je suis désolée. Ce sont les ordres du citoyen Fouquier. Fouquier Tinville, public prosecutor for the Revolutionary Tribunal. Marie Antoinette has just fallen into his grasp. For Fouquier, the Queen's trial would be a consecration. It would bring him glory and power. But Robespierre is wary of ambition. Et alors, Brunt, c'est comme ça que tu traites notre ami Fouquier? Guarded, the Incorruptible watches his back and surrounds himself with trusted men. Like Nicolas, longtime revolutionary whose loyalty borders on devotion. Je ne te savais pas si matinal.
La Révolution réclame chaque minute que je peux lui accorder. Oui, bien sûr. Que me veux-tu ? La prisonnière que tu as eu la bienveillance de m'adresser, peux-tu me dire quand la Convention votera la date de son procès ? Je crains qu'il te faille encore attendre, Fouquet. Attendre ? Pourquoi, à ton avis, l'a-t-on transféré à la conciergerie ? Pour que le peuple se calme, Fouquet. Rien de plus. Mais tu ne peux pas faire ça, on doit la juger. Je ne peux pas faire ça. Je peux faire beaucoup de choses, citoyen accusateur public Fouquet. Il serait bon que tu l'oublies pas. Je te demande pardon, Maximilien, ce n'était pas ce que je voulais dire. Seulement, ne pas juger la veuve Capet, c'est faire du tribunal révolutionnaire la risée de l'opinion. Du tribunal ou de toi, Fouquet ? Des deux, certes. Mais tu sais que seule la révolution m'importe. Le peuple réclame ce procès et le peuple s'impatiente. Alors le lui donner serait un moyen de le contrôler. Et de le détourner d'autres revendications sans doute plus difficiles à satisfaire. La République n'a que faire de ce procès. La veuve Capet ne représente aucune menace pour la Révolution. Concentre-toi plutôt sur les mauvais citoyens, sur les corrompus, les comploteurs qui pervertissent les véritables patriotes. C'est eux la menace. C'est eux les ennemis de l'intérieur qui freinent la marche en avant de la Révolution. Et l'un n'empêche pas l'autre. Juger la veuve Capet serait aussi un message fort envoyé à tous ceux qui souhaitent la restauration de la monarchie. C'est trop tôt. L'influence des modérés pollue encore les membres de la Convention. S'ils se mettent à douter de la légitimité de ce procès, les extrémistes s'engouffreront dans la brèche pour me le reprocher. Je me méfie d'Hébert. Hébert veut la tête de Marie-Antoinette, c'est devenu chez lui une obsession. Il pourrait en être reconnaissant. Reconnaissance qui passera aussi vite que l'ivresse. Sans compter qu'une fois la veuve Capet éliminée, mais quelle sera sa prochaine obsession ? Non, Fouquet. On n'enlève pas un chien enragé lorsqu'il est en train de ronger. Nicolas, va promener Brunt. Faced with this political animal, Fouquier's hands are tied. But the revolution is not over. Robespierre came to power through extremism, by obtaining the arrest of his rivals, the Girondins, a judge too moderate for refusing to vote for the king's death. He is now threatened by those more extremist than himself. Elle poussait des cris affreux. Des cris affreux, c'est bien ça. While Robespierre's revolution aims to elevate citizenship to a virtue, Hébert bets on the baseness of the people and fuels its violence with an overpowering weapon. His newspaper, Père Duchesne, populist and filthy. De sa gueule empestée. Voilà. Alors, ainsi que mon gros cocu de mari, disait-elle, je vais donc être raccourci. Ainsi l'Autrichienne... Non, ainsi la... Non. Ainsi la guenon. C'est mieux. Ainsi la guenon se lamentait. Voilà foutre les douces paroles qui sortaient de sa gueule empestée. La guenon. Hébert's hatred for Marie-Antoinette grew with the visits he made to her in the Temple prison as prosecutor of the Paris Commune. The populist or the incorruptible? While Fouquier doesn't know who'll win that battle, all he can do is keep his prey under close surveillance. Oh, merci. Je vous laisse le soin de bien dire à Monsieur Fouquier combien votre aide m'est précieuse et notre discussion très plaisante. Ah, citoyen Michonis. Veuillez me conduire à la cellule de la veuve Capet. For a year, police administrator Michonis has been officially in charge of Marie-Antoinette's surveillance. Familiarity has bred appreciation. But he too is subject to the power of the revolution. Rosalie! Citoyenne Capet, le
comité de salut public vient de décréter que deux gendarmes devront désormais rester en permanence dans votre cellule. En permanence? Oui. Qu'elle soit emprisonnée, pas encore, mais l'humilier en la livrant tous les jours et les nuits au regard de deux hommes. Je suis bien d'accord, la reine Mary. The revolution imposes its codes, beginning with words. It is forbidden to pronounce a title of nobility without appending former to indicate that such title was in use prior to the revolution. Former count, former queen. Non, 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 mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Nous avons ordre de surveiller la prisonnière à chaque instant. C'est bon, arrête. Elle a droit à un peu d'intimité quand même. Allez-y. Merci. Une dernière chose, serait-il possible de récupérer le linge que j'ai dû laisser à la prison du Temple? Je vais voir ce que je peux faire. Non mais tu n'y penses pas. On va croire qu'on prend fait des causes pour elle. Parce qu'on aura demandé du linge. C'est ce qu'elle demande. Ce sont des caprices, hein. Je te rappelle que c'est ton devoir de concierge de faire part des demandes des prisonniers au commissaire citoyen Michonis. Marie Antoinette has not seen her son for almost 2 months. Charles was taken from her at the temple and entrusted to shoemaker Simon, a hardline sans-culotte charged with overseeing his republican education. Qu'est-ce que... Bon Dieu de foutu, bon Dieu. Qu'est-ce que tu me fais, là, toi? Oh! Hein? Quoi? C'est quoi ces hiéroglyphes? Mais c'est des chiffres. C'est des codes, hein? Mais c'est non, ça? Mais non, c'est pas des codes. Oui, c'est des codes. Non. C'est pour qui, ces codes? Mais personne. À qui tu parles comme ça, hein? À qui? À personne! Ne me mens pas! Mais je ne mens pas! Je vais te faire parler, moi. Admirer of Hébert and his père Duchesne. Simon has found in the revolution a cause he believes in, and in that mission, an unexpected source of revenue for a shoemaker. Elle ne me parle pas beaucoup. Pour les concierges ou les gardiens, je peux rien vous dire. Aucune familiarité avec la veuve Capet. Ah si, je ne sais pas si c'est important, mais la prisonnière a une montre et elle la regarde souvent. Une montre? Mm-hmm. C'est tout? Oh oui, citoyen. Gardez les yeux et les oreilles ouverts, citoyenne. À la manière soignée de tout ceci, je reconnais les attentions et la main de ma pauvre sœur Elisabeth. Merci. Fouillez partout. Voilà. On doit, dit-on,
commencer le procès de l'architigresse d'Autriche. Si elle n'est pas jugée et raccourcie dans les 24 heures, je dirais foutre que nous ne sommes pas libres, que nous ne sommes pas dignes de l'être. Pas mal, non? Très imagé. Mais n'est-ce pas un peu excessif? Pas le moins du monde, cher ami. Le peuple aime les images et les formules fortes. Moi, je lui donne ce qu'il réclame. Nous venons de passer la barre des 80 000 exemplaires. Rien de mieux que la haine pour pousser les hommes à accomplir de grandes choses. Rien. Mais dis-moi plutôt ce que tu veux. Ton aide. Mon aide? Le citoyen accusateur public ne répugne donc plus à fréquenter l'infréquentable Hébert. Je veux que la Convention arrête une date pour le procès de la veuve Capet. Qu'elle meure, cette guenon. Nous sommes d'accord. Seulement, Robespierre estime qu'il n'y a pas urgence et moi je crains une nouvelle évasion. 3 tentatives déjà au temple. La 4e pourrait être la bonne. Tu sais comment elle fait, cette fouine, pour mettre les gardiens dans sa poche? Non. Elle remonte sa jupe et invite tout ce petit monde à effourer ce qu'ils ont envie d'y mettre. Citoyen Hébert, j'espère que tu n'en es pas arrivé à croire aux élucubrations que tu écris dans ton journal. Robespierre bande mou. Il hésite. Quelle perte de temps. D'accord. Tu peux compter sur moi. Tu connais mes réseaux. Les demandes vont pleuvoir sur la Convention pour qu'on la juge, la putain couronnée. Inutile de dire que cette discussion reste entre nous. Le père Duchesne parle de plus en plus de la reine. C'est mauvais signe. The stranger appealing to Michonis is loyal to the queen and protected her from an armed crowd at the Tuileries insurrection, Rougeville. Hébert a toujours eu Antoinette en horreur. Elle et les femmes en général, d'ailleurs. Tout cela n'est pas nouveau. Que me voulez-vous? This adventurer would be immortalized in Le Chevalier de Maison Rouge by Alexander Dumas. J'ai des amis. Je sais que vous étiez impliqué dans la dernière tentative d'évasion de la reine au temple. J'aimerais que nous essayions une nouvelle fois. La personne qui nous a présenté est de confiance, vous le savez. Vous n'avez rien à craindre de moi. Je m'en suis tiré de justesse la dernière fois. Au temple, c'était possible. Il suffisait d'acheter des gardiens, ce qui n'est pas difficile, la corruption est partout. Dire qu'il a fallu qu'un seul révolutionnaire honnête pour que le plan échoue. C'est justement celui-là qui s'occupe aujourd'hui du petit Charles. La reine peut être jugée d'un jour à l'autre. Son salut ne pourra venir que d'hommes comme vous et moi. Alors il faut faire vite. Faster, no doubt, than the Queen's allies realize. For the 4 weeks Marie Antoinette has been imprisoned in the Conciergerie, she has tried to hide from her jailers a condition that weakens her daily. Her biographers would say, cancer of the uterus. Making contact with the Queen wasn't the trickiest part of the plan drawn up by the Chevalier de Rougeville. Michonis had the power to do so. But he had to avoid being unmasked at all costs. Madame, And nonetheless, managed to pass her a message. Désolé de vous avoir dérangé. Citoyenne. Encore
merci de votre aide, mais je suis fatiguée et souhaiterais me reposer. La personne qui vient de sortir ce tissu en souvenir de son passage. S'il vous plaît. Citoyen ! Citoyen ! De la part de la veuve Capet. Merci. Gardée à vue, je ne parle à personne, je me fie à vous, je viendrai. Elles sont magnifiques, merci Rosalie. Ça fait du bien de savoir que l'on pense à moi et que je n'ai pas que des ennemis. Mais beaucoup de monde pense encore à vous. Seulement personne n'ose le dire. Regardez, les marchands donnent ce qu'il y a de meilleur quand ils savent que c'est pour vous. Je l'ignorais. Je vous promets que dès que je serai sortie de cette prison, je vous prendrai à mon service. In the wings, Marie Antoinette's enemies are also busy. Légère d'Autriche. La scélérate autrichienne. Thanks to Hébert's networks, petitions demanding her death flood in from all over France. Que cette femme impie ne souille pas plus longtemps de sa présence le séjour de la liberté. Qu'elle paie par son sang impur le sang généreux qu'elle a fait couler à grands flots. Jette-moi ces immondices, Nicolas. Maximilien, offre au peuple ce qu'il réclame. Avant que sa haine pour la veuve Capet ne se retourne contre toi. Fear is gaining ground. Sparked in Vendée, the civil war ignites other regions which rebel. At the borders, the conscripts of the revolution, poorly trained and malnourished, are overwhelmed by the armies of the coalition. Major cities are falling. Each of these defeats sharpens the desire for revenge against the former queen of France, who alone embodies all the enemies of the revolution. Ça te plaît, mon petit marmottin? Quoi? Allez, haut les cœurs! Aujourd'hui, c'est un grand jour. Va voir dans la poche de ma redingote. Hey! Allez! Ça y est, elle va être jugée vite fait, c'est pas trop tôt. Hein. Qui donc? La veuve Capet, pardi. Ça va pas tarder maintenant. Même pas le temps de dire ouf que... Quick! La veuve raccourcie. C'est comme ça qu'on va l'appeler maintenant. Ben pourquoi il fait cette tête-là, le petit marmottin? Oh! Un bon républicain doit être heureux. Il dit quoi, un bon républicain? Il dit quoi, un bon républicain? Mort au Capet, vive la République. Voilà! Et quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il dit? C'est la faute à Capet. Parfait! Et il fait quoi aussi? Un bon républicain, il... Il chante. Ouais, oui, tu vas chanter, bien. La deuxième partie de la Carmagnole. Attention. Monsieur Vento,
avait promis d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Très bien, bois un coup, ça te donnera du cœur au ventre. Allez prendre l'air, citoyen, pendant que je surveille la veuve Capet. Voici mon petit. Nous avons peu de temps, les gardes vont revenir. L'évasion est pendant 3 jours. Tenez-vous prête. Il ne me reste qu'à soudoyer vos 2 gardiens avec l'argent que notre ami m'a confié. Non, prenez trop de risques. Laissez-moi m'occuper des 2 gendarmes. Ah, ne vous inquiétez pas, madame, tout se passera bien. Ce sont là des mots que j'ai trop entendus. Je préfère rester prudente et vous protéger autant que je le puis. Considérez cela comme un ordre. Garde! Je ne vous dérange pas? Oh non, pas du tout. Three days. For an habitué of court intrigues, that should be enough. Bienvenue au comité de salut public. Pourquoi m'avoir fait demander ? Eh bien, pour te donner une chance de t'expliquer sur des rumeurs de trahison qui circulent à ton sujet. Je plaisantais, Fouquier, entre. Monsieur, je vous promets que tout se passera bien. Messieurs les gendarmes, tout est en ordre. Les choses ont été faites dans les règles. Vous allez être libre, madame. J'ai un faux ordre officiel de transfert à la prison du Temple. Quoi qu'il arrive, vous ne serez pas inquiétés. À l'extérieur de ces murs, nous attend toute une escorte de faux gendarmes qui sacrifieraient leur vie pour sauver la vôtre. Vous m'entendez? Il est temps d'y aller. Je le reconnais, le dit devant vous tous, je suis contre cette idée de procès. Explique-nous pourquoi. Parce qu'il faut ouvrir les yeux et regarder la vérité en face, Maximilien. Nous allons perdre. Les armées étrangères gagnent du terrain, et le seul moyen de les arrêter, c'est d'échanger la veuve Capet contre la promesse de ne pas nous anéantir. Danton s'y est essayé en vain. Plus personne ne veut de la veuve Capet. Si elle n'a plus de valeur politique, tuons-la. Sa condamnation sera un message fort envoyé au monde. Nous n'avons pas peur de vous. Majesté. Je voulais vous remercier pour l'affection que vous m'avez prêtée. Sachez que je ne l'oublierai jamais. Si la mort de la veuve Capet peut unir le peuple, qu'il en soit ainsi. Seulement jamais la Convention ne votera son procès. Je ne voterai pas. Vous voyez, il ne votera pas. À moins qu'il y soit contraint,
Une insurrection? Comme la dernière fois. Brillante idée, citoyen maire. Rien de tel qu'une convention envahie par une foule de sans-culottes en armes pour ramener les élus à la raison. Le peuple a faim. Il est tellement en colère qu'il suffira de peu. Oui. Je peux organiser ça. Bien entendu, on chargera par la suite de sanctionner les agitateurs. Tu peux pas faire ça, Maximilien, c'est monstrueux. Mais la fin justifie les moyens, citoyen. Imagine, tout un peuple de vrais patriotes. Des citoyens élevés dans la valeur de la République. C'est pas une utopie, c'est un rêve qu'on se doit d'atteindre. Et on y arrivera en se débarrassant de nos ennemis. Les corrompus, les traîtres, les indécis. Et tous ces foutus modérés qui nous ralentissent. Fouquet, établis la liste de ceux qui seraient bons d'éliminer. Je l'ai toujours sur moi. Bien vu, Maximilien. Ainsi, le peuple aura la tête de l'Autrichienne. Et nous, celle des Girondins. Tout le monde sera satisfait. Que se passe-t-il? Nous avons l'ordre de transférer la prisonnière à la tour du Temple. Étrange. Excuse-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Pas avant d'avoir fait confirmer cet ordre. Cet ordre vient directement du citoyen Fouquier. Tu veux quoi, déclencher sa colère? Je préfère déclencher sa colère pour avoir été trop prudent à celle d'avoir laissé échapper la Capet. Laisse-moi passer, c'est un ordre! Non! À la garde! À la garde! Les temps révolutionnaires réclament des mesures extrêmes. Alors, soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être. Le tribunal révolutionnaire a besoin de moyens. C'est la seule solution pour que la guillotine tourne à plein régime. Fuyez, messieurs. Madame. Mon ami, sauvez-vous. Gardez-moi dans vos souvenirs. Venez, on va passer par la porte du corps de garde. Le procès de la veuve Capet doit être exemplaire. Il faut qu'il marque les esprits. Nous sommes tous d'accord pour la mort, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord, Maximilien. Robespierre is already looking ahead. He is interested in the list of political opponents to be arrested. History is sometimes a mixture of intrigue and luck. The same night that the Committee of Public Safety met in secret to decide Marie Antoinette's fate, the Queen's final escape ended in failure. Échoué. C'est près du but. Il faut faire vite. On a effacé toutes les traces. Vous aussi, monsieur. Le temps presse. Je ne peux pas le détruire. C'est peut-être le dernier souvenir que je garderai de la reine. Permettez alors. Citoyen Richard, qu'est-ce qui se passe? The accomplices of the carnation plot would be arrested. Rosalie, too insignificant to be a threat, is the only one allowed to stay at the conciergerie. Rougeville would escape Fouquier, but he would be shot for treason in another regime of this France under construction. The Napoleonic Empire. Michonis would be guillotined in June 1794. Stripped of all that remains of her privacy, Marie Antoinette is placed under heightened surveillance. The only ones who could save her now are members of her distant family who reign in Austria, if they see any interest.
maintenant, je peux vous annoncer que la Convention a enfin, enfin voté le procès de la putain couronnée. 2,250 opponents were arrested. Citoyens, rien n'est impossible à des hommes libres. The power and resources of the Revolutionary Tribunal increased tenfold. La terreur est à l'ordre du jour. Malheur à la Révolution si elle laisse les traîtres impunis. The law of suspects is passed. Whoever cannot present a certificate of good citizenship will be imprisoned. Le signal soit donné d'un bout à l'autre de la République. To support the courts in this policy of terror, a Republican army is created, exclusively composed of sans-culottes, right up to the highest ranks. Mieux voter le diable avant qu'il nous tue. Citoyen Roussillon, j'ai besoin de vous pour étoffer le dossier d'instruction de la veuve Capet. Ce serait avec honneur que j'aiderais le très révolutionnaire tribunal révolutionnaire. Très bien. Que pouvez-vous me dire des bons en argent que la ci-devant reine a signés? Des bons? Quels bons? Ceux qui étaient destinés à son frère, l'empereur d'Autriche, pour le soutenir dans sa guerre contre la France. Ah oui, ceux-là. Il y avait 4 bons. Le premier de 80 000 livres. Le deuxième de 110 000. Le troisième était de 900 000 livres. Et le dernier, enfin, de 200 000 livres. Très bien. Je vous ferai témoigner pour que vous disiez ce que vous avez vu. Mais moi, j'ai rien vu. Comment rien vu? Mais c'est bon dont vous parlez. Je ne les ai pas vus en personne, mais je connais quelqu'un qui les a vus. Bien sûr que je les ai vus, c'est bon. C'était quand j'étais chez Septeuil. Il y en avait 2. 4. 2. Vous êtes sûr, citoyen Tisset? Oui, 2. Le premier était de 125 000 livres, le second de 75 000. Le premier était daté du 13 août 1792 et le second du 17. Et où sont-ils, ces bons? Je les ai remis au citoyen Garderin. Parfaitement, 2 bons. L'un de 35 000 livres et le second de 55 000. Et vous savez où ils sont, ces bons? Bien sûr. Ils ont été remis au comité de salut public. Entre les mains de Robespierre. Oui, entrez. Tu as meilleure mine. Tes ulcères ne te font pas trop souffrir? T'inquiète pas, Fouquier, je ne mourrai pas de mes ulcères. J'ai préparé une liste de bons patriotes. Des hommes sûrs. Avec un jury comme celui-ci, la justice pourrait être rendue vite et bien, sauf que... Sauf que? Les jurés sont censés être tirés au sort. Et on ne peut pas laisser une affaire comme celle-ci entre les mains du hasard. Ben, je ferai en sorte que ce ne soit pas le cas. Je regarderai cette liste avec attention, je te remercie. Je voulais aussi t'entretenir des difficultés que je rencontre pour constituer un dossier solide contre la veuve Capet. Je n'arrive pas à récupérer les preuves. C'est à croire que la Convention refuse de m'aider. Par convention, tu sous-entends moi? Non. Non, bien sûr que non. Tiens. Voilà une liste de témoins ajoutés pour le procès. Les Girondins, pourquoi ils sont déjà dans nos prisons? Et alors? Fais en sorte qu'ils servent la Révolution une dernière fois avant qu'on les élimine. Et pour les documents qui me font défaut, tu pourrais peut-être en glisser un mot à la Convention? Je m'occupe des jurés, Fouquier. Pour le reste, t'as voulu un procès, tu l'as? Je ne te retiens pas. Robespierre is wary of the fickleness of mobs.
A political virtuoso, he will not openly meddle with the trial of a queen. Alors, citoyenne, il est où? Un peu de tenue. Il est où? C'est là, le petit marmottin. Oh, du tout. Il est trop chou. Mais tiens. Je l'ai pas imaginé comme ça. Tu vas voir, mon cœur, comme on va bien s'occuper de toi. Bon, je sais pas pour vous, mais il fait soif ici. Charles! Tu vas boire un coup. Parce qu'un révolutionnaire, ça boit et... Et ça chante, foutre. Allez, montre-nous comment tu chantes. Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. C'est la faute à qui, ça? À la capelle. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Je suis convaincu que Maximilien ne fait pas tout ce qu'il peut pour m'aider. Rassure-moi, tu n'es pas dupe à ce point-là? Tu n'as toujours pas compris que Maximilien ne veut pas être mouillé à ce procès? Et pour quelle raison? La garce le gêne plus qu'autre chose. En cas d'échec, c'est lui qui prendra les coups. Et en cas de succès, c'est à nous que reviendra la gloire. Nous deux, mon ami... Ma seule motivation est l'intérêt de la République. Bah oui, oui, bien sûr, moi aussi. Mais il pourra aller plus vite, plus loin, non? Pourquoi attendre? Pourquoi hésiter? Peut-être craint-il le sort d'un marat. Non. Non, non, non. Maximilien n'a pas peur de mourir. Il sait qu'il est déjà mort. Tout comme je le suis déjà moi-même et comme tu l'es aussi. Nous sommes là pour mourir afin d'alimenter le feu de la révolution. Entrez. The revolution devours its own children. Just 1 year ago, Manuel organized the day of insurrection on August the 10th, 1792, which triggered the fall of the monarchy. Today, he is in prison, arrested just after the Girondins for also being too moderate. Pourquoi moi? Je suis sûr que tu pourrais trouver des tas de témoins qui seraient prêts à haïr la Capet, non? Ce ne sont pas des témoins haineux que je cherche, Manuel, mais des personnes pouvant me parler d'elle. Tu la connais? C'est toi qui étais avec elle au temple quand elle a appris la mort de son ami la Lamballe. Son massacre, tu veux dire? Tu regrettes la mort de la Lamballe? Non. Je regrette la manière dont ils l'ont torturée. Son cœur a été arraché. Et sa tête promenée au bout d'une pique, jusque sous les fenêtres de la Capet. Et c'est la raison pour laquelle tu as refusé de voter la mort du ci-devant roi. J'ai vu ce jour-là jusqu'où pouvait aller la révolution. Vers la folie, la barbarie et la cruauté. Me faire témoigner, c'est une idée de Maximilien? Pas du tout, non. Il n'a donc pas assez pour me faire condamner, qu'il ait besoin de mon témoignage pour pouvoir m'accuser de sympathie envers la monarchie? Pas du tout. Il espère au contraire que tu sauras profiter de ce procès pour te racheter. Montre-nous ta foi révolutionnaire et tu t'en sortiras peut-être. Ce n'est pas seulement la vie de la reine qui est en jeu dans ce procès, Manuel. Qu'est-ce que tu fais? Je... rien du tout. Tu te... foutre Dieu. Qui t'a appris à faire ça? Personne. C'est pas ma faute. Ah ouais? C'est la faute à qui, alors? À la Capet. C'est la faute à la Capet. Raconte-moi. Eh ben... Allez, je veux tout savoir, absolument tout. Je t'en prie de ne pas manquer à ma demande pour te voir. Cela presse.
Simon, ton ami pour la vie. Avons-nous reçu les documents demandés à la Convention ? Toujours rien, citoyen Fouquet. Prends note. Jusqu'à ce jour, il ne m'a été transmis aucune pièce relative à Marie-Antoinette. De sorte que, quel que soit le désir que le tribunal ait d'exécuter les décrets de la Convention, il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ce décret tant qu'il n'aura pas les pièces. Point. C'est vrai ? Foutre, oui. Je te le dis comme il me l'a dit. Je le savais ! Hébert has his prey. If Simon speaks the truth, little Charles' testimony could sway the trial. He decides to make sure of this personally. Tu vas te conduire en bon républicain, hein? Et tu vas tout raconter au citoyen Hébert. Tu as peur? Seuls les ennemis de la République ont des raisons d'avoir peur. Es-tu un ennemi de la République, jeune Capet? Non. Je connais toutes les chansons. Foutre. C'est bien. C'est bien. Je suis sûr que tu es un parfait citoyen maintenant. Et si nous sommes ici aujourd'hui avec toi, c'est pour que tu puisses faire ton devoir de citoyen. En nous répétant ce que tu as dit au citoyen Simon. Allez. Parle. Tu peux tout dire au citoyen Hébert, il est comme un frère pour moi. Qui t'a appris ces vilaines pratiques? Mais allez, dis-le que c'est ta mère. Oui, c'est ça. C'est ma mère. Assis devant Rennes? Oui. Eh bien, c'est parfait, citoyen Capet. Raconte-nous ce qu'elle te demandait de faire. Eh ben... Des fois, je dormais dans son lit. Mmh. Et je touchais mon... pour le rendre tout dur. Et après, elle venait s'allonger près de moi et je faisais ça. Tu vois bien qu'en nous disant la vérité, tu n'avais aucune raison d'avoir peur. Signe ici. And Charles signs with his new revolutionary name. C'est obscène. Comment as-tu obtenu ça? Qu'importe que ce soit obscène et qu'importe comment je l'ai obtenu. Le gamin a signé, c'est ce qui compte, non? Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je veux un procès irréprochable, je veux que ce soit la reine qui soit jugée et pas une mère aux mœurs douteuses. Et c'est là où tu te trompes. Le procès de l'Autrichienne, c'est aussi le procès de toutes ces femmes qui outrepassent leurs droits naturels, qui mettent leur nez dans les affaires de leur mari. Tu ne vois pas ce qui se passe? Ces putains sont en train d'oublier que leur rôle, c'est de donner des enfants à la République et de les élever pour en faire des citoyens. Je sais. La place d'une femme, c'est chez elle à s'occuper de sa famille, de son mari, de ses enfants, et pas à jouer à saute-mouton au Trianon et à s'envoyer en l'air avec n'importe qui. Et puis, à ce qu'on me dit, ton dossier contre l'Autrichienne ne serait pas très épais. Je me trompe? Toujours aucune nouvelle de la Convention, je suppose. Aucune, citoyen. Et ce n'est pas faux de relancer la demande des pièces. Mais comment faire un procès sérieux sans dossier? Il ne faut peut-être pas faire de procès. Le procès aura lieu, dans une semaine. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ce procès devait être un grand moment, comme celui du roi. Combien de têtes se jouent dans ce procès? Est-ce
Excusez cette irruption soudaine, mais le temps manque. Qui êtes-vous? Maître Chauveau-Lagarde et Maître Tronçon du Coudray. Vos avocats. Nous avons eu l'honneur d'être désignés pour assurer votre défense durant votre procès. Et quand doit commencer ce procès? Demain. L'accusateur public, le citoyen Fouquier, ne nous a pas laissé le temps d'étudier le dossier de l'accusation. Et encore moins celui de préparer votre défense. Mais la loi est de notre côté. Nous pouvons obtenir un report. Eh bien, messieurs, demandez-le. Et ce serait bien mieux si cette demande venait de vous. Je m'y refuse. Madame, réalisez-vous bien ce qui est en jeu ici. Il en va de votre vie. Jamais ils n'oseront m'exécuter, jamais. Détrompez-vous. Je vous supplie de prendre ce procès très au sérieux. Madame, nous avons besoin de temps pour nous préparer à contrer leurs arguments. Je me suis toujours refusée à leur demander quoi que ce soit. Je ne veux pas leur faire ce plaisir à ces brutes. Je ne m'abaisserai pas à écrire cette lettre. Vous avez donc décidé que votre fils ne vous verrait plus jamais. Postponement request filed. List of jurors vetted, thanks to Robespierre, who at the last minute imposed a new law. Now selected by the Committee of Public Safety, jurors are now also comfortably paid. And Austria did not choose to protect its young Archduchess, offered 23 years earlier to seal an alliance. It has more to win in a war of conquests with the Republic. The trial can begin. To mark minds, this trial must have all the appearances of legality. 15 jurors, but all are close to Fouquier, Robespierre or Hébert, chosen from the sound revolutionaries, like the presiding judge, Herman. Messieurs les jurés, vous allez prêter serment d'examiner avec attention les charges portées contre Antoinette, veuve de Louis Capet. De n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. Et de vous décider, selon votre conscience, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre. Pardon, je suis désolée. Citoyen Ganet. Je le jure. Ganet, wigmaker, boasts of only voting for death sentences. Je le jure. Chrétien, keeper of a Republican bar, has his section vote on extreme motions, his two guns placed in front of him. Je le jure. Thumain, the only provincial juror, tobacco storekeeper and admirer of Robespierre, to whom he owes much. Je le jure. Antonelle, former noble, former mayor of Arles, the only one to hesitate before accepting his job as juror. Je le jure. Renaudin, master luthier, tenor of the Jacobin Club. He is Robespierre's man and spies for him willingly. Je le jure. Just like this carpenter who signs all his letters, Trinchard, true Republican. Moi, Charles Léopold Nicolas, je le jure. Lumière,
je le jure. Violinist at the Academy of Music, former personal secretary to Fouquier and Robespierre's agent. De Boisseau. Je le jure. Bronze engraver, another close friend of Robespierre. Baron. Je le jure. Hatter, Hébertiste, confirmed follower of Hébert, violently atheist. Soubert Biel. Je le jure. Personal physician to Robespierre and the tribunal. He denounces women who say they are pregnant to escape the guillotine. Je le jure. Fievé, trader. Je le jure. Samba, painter of miniatures and another follower of Hébert. Devez. Je le jure. Master carpenter. And finally, Bénard, bailiff. Je le jure. Hébertiste and profiteer who sells the goods he seizes for his own gain. They will judge the Queen. They are the incarnation of the sans-culottes, men who were nothing in the Age of Kings and who, in just 4 years, have come out of the shadows. They now have the power to condemn this woman they would never have been able to approach. In this other world they have laid out. Accusé, veuillez décliner votre identité. Marie-Antoinette Lorraine d'Autriche. Pourquoi préciser Lorraine d'Autriche? Parce qu'il faut bien porter le nom de son pays. Qui se pose là? On est en France ici! Veuillez vous asseoir, l'acte d'accusation va vous être lu. Calme, s'il vous plaît, silence. Antoine Quentin Fouquier-Tinville, accusateur public auprès du tribunal criminel révolutionnaire, établi à Paris par décret de la Convention nationale du 10 mars 1793. Que Antoinette a été, depuis son séjour en France, le fléau et la sangsue des Français. D'avoir dilapidé les finances de la France pour satisfaire à ses plaisirs. D'avoir eu toute la fortune, au point de faire imprimer les ouvrages dans lesquels elle était dépeinte sous des couleurs peu avantageuses pour persuader ses puissances étrangères qu'elle était maltraitée des dépensiers. Que la Constitution de 1789 soit acceptée. La veuve, elle est elle-même donné l'ordre de tirer sur le peuple. En tant que directrice de cette. De la détruire, que c'est la veuve Capet qui a fait parvenir aux puissances étrangères des plans de campagne et d'attaque pour les instruire. La veuve Capet s'est occupée, que c'est la veuve Capet qui a fait parvenir l'accusateur d'adresser l'accusation d'accusation contre Antoinette pour avoir. Primo, dilapider les finances de la France et d'avoir fait passer des sommes incalculables à l'Autriche. Secundo, d'avoir entretenu des intelligences et des correspondances avec les ennemis de la République. Et tertio, d'avoir tramé des complots contre la sûreté intérieure et extérieure de la France, entraînant une guerre civile en divers points de la République. Accused of high treason, Marie-Antoinette risks capital punishment.
Now, for the parade of Fouquier's witnesses. J'appelle le ci-devant Marquis de Gouvernet. 41 of them, all figures of the revolution, and a few of the Ancien Régime too, dragged before the court for their swan song. Citoyen Gouvernet, veuillez nous parler des fêtes dispendieuses organisées au château par la ci-devant reine. Jamais, pour ainsi dire, je n'ai fréquenté la cour. Je ne le pouvais pas, puisqu'à cette époque, j'étais commandant en Bourgogne. Comment cela? Mais vous étiez ministre. Je ne l'ai jamais été. Il n'aurait point voulu l'être, même si on me l'eût offert. Je crains que vous ne m'ayez confondu avec mon cousin, qui lui était ministre. Le comte de la Tour du Pin Gouvernet. Silence dans la salle. On m'amène le bon gouverneur. Although this gouverneur said nothing before the court, an official but rigged report meant for the public would be published in the newspaper Le Moniteur. Dégage le plancher, vieux canard! Que peste-t-il ferré? On l'emmène, le Kagoshim! Citoyen gouverneur, rendez-vous immédiatement! Citoyen gouverneur! Je me permets de rappeler aux témoins que la France n'est plus une monarchie, que l'accusé n'est plus une reine, et qu'il est interdit de la traiter autrement que comme une citoyenne ordinaire. Veuillez m'excuser, mais je n'avais pas remarqué que la reine fût traitée comme une citoyenne ordinaire. Citoyen gouverneur, en tant que ministre de Louis Capet, assistiez-vous aux prises de décision? Mon devoir était en effet de conseiller le roi. Louis Capet, vous voulez dire? Non, du tout. Louis XVI, le roi de France, si vous préférez. Silence dans la salle. Est-il vrai qu'Antoinette Capet était quelquefois présente pendant ces réunions? Elle daignait en effet de temps à autre nous faire le plaisir de sa présence. Intervenait-elle dans les décisions? La reine... intervenait pour s'enquérir de nous. Mais je n'ai pas souvenir qu'elle ait parlé de politique. Je vous prie une nouvelle fois, citoyen, de surveiller votre langage. Quand vous aurez au préalable surveillé votre attitude. Je rejoins ce que vient de vous dire le citoyen accusateur public. N'utilisez plus les mots de l'ancien régime. Sinon... Sinon quoi? Que pouvez-vous me faire que vous n'ayez déjà prévu de me faire? Nous en avons fini. Garde, emmenez-le. Some months later, the Count de la Tour du Pin would be guillotined, at the same time as the other gouverneur, his cousin, the Marquis. À l'échafaud, perruquier! Vous avez vu ces bons. Vous les avez eus entre vos mains. Oui, je les ai eus entre les mains, et oui, je les ai vus. M'est-il possible de poser une question au témoin? Faites. Je désirais que le témoin déclare de quelle date étaient les bons dont il parle. L'un des bons était daté du 10 août 1792. Et l'autre, je l'ignore. Je n'ai jamais fait de bon. Et comment aurais-je pu en faire le 10 août, alors que nous nous sommes rendus vers les 8 heures du matin à l'Assemblée, où nous nous sommes réfugiés toute la journée, pendant que le peuple dévastait les Tuileries? J'ai dû me tromper dans la date, voilà tout. Mais ces bons existent, je les ai vus. Serait-il possible de les voir? Où sont-ils? Ces bons ont été remis à la Convention pour préparer le procès de Louis Capet. J'en ai fait la demande et j'attends toujours ces pièces que la Convention doit m'adresser. C'est regrettable. La veuve Capet a envoyé des sommes immenses en Autriche. Je le sais de source sûre, citoyen président. De source sûre? Mais vous venez de témoigner que c'est vous qui les aviez vus, c'est bon. Menteur! Tout ça, je le tiens d'une bonne patriote, à qui un favori de la cour en a fait confidence. Et comment s'appelle cette personne? Dépendeuse brandouille à la barre. Nous venons
l'occasion de parler avec un témoin qui nous a parlé de confidences que vous aurez fait un favori de la cour. Ce bon comte de Coigny. Je crois bien que je lui avais tapé dans l'œil, si vous voyez ce que je veux dire. T'es sûr que c'est dans l'œil ? Quand était-ce ? 1788. Je servais au palais de Versailles. Et voilà le comte qui me coince pour me parler de l'autre, là. Elle venait encore de convaincre le roi de donner de l'argent à son frère. Elle ruine la France, qui disait. Vous savez de quelle somme d'argent il s'agissait ? Oh là, si je m'en souviens. De 20 millions, qui me dit. Tu vas croiser la nuit ! Et comment a réagi le ci-devant comte de Coigny ? Eh ben, comme moi. Il était scandalisé. Sauf qu'après, il m'a dit que c'était pas 20 millions qu'elle lui avait donné, mais 200 ! C'est que c'était qu'un début, qu'elle allait encore lui en donner plus. Tu mérites que tu craves comme un rat. Du calme, du calme. C'est tout ce que tu mérites. Sale chienne, raclure. Du calme. Scélérate. Ça tu suffit. Mérites que tu crever, c'est tout ce que tu mérites. Ça suffit. Gendarme, on partira. Chienne, t'es quel sac à merde. Lâchez-moi, j'ai rien fait. Je te hais. La séance reprendra à 5 heures. Absurd testimonies, lack of evidence, and an out-of-control audience. The masquerade began with a flourish. A strange enactment of the clash of two worlds, that of the people who aspire to equality against that of privilege. Two irreconcilable worlds. C'est une catastrophe, une humiliation. J'y arriverai jamais, je vais pas y arriver. Citoyen ? Robespierre demandera ma tête, puis Laura. Puis moi, je l'aurais mérité. Je n'avais pas le droit à l'échec. Citoyen Fouquier ? Vous voyez ce que nous venons de recevoir ? Ah, les pièces du dossier, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est fait de moi, y a rien là-dedans. Foutre ! Vous semblez de plus en plus fatiguée, madame. Que dit-on du procès ? Quelles sont les rumeurs ? Ce repas est très réussi. Je vous en remercie. Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Citoyenne Capet, qu'avez-vous à répondre à ce témoignage ? Pourriez-vous répéter, je vous prie ? Le 5 octobre 1789, quand le peuple en colère s'est rendu de Paris à Versailles, est-il exact qu'on vous a suggéré de prendre la fuite ? En effet. On voulait m'engager à partir seule. Parce que, disait-on, il n'y avait que moi qui courais un danger. Mais je m'y suis refusée, car j'estimais que si je devais être assassinée, ce serait aux pieds de mon mari. Jamais je ne l'aurais quitté. N'avez-vous pas abusé de l'influence que vous aviez sur votre époux pour en tirer des bons sur le trésor public ? Jamais. N'avez-vous pas forcé les ministres des Finances à vous délivrer des fonds et menacé certains d'entre eux de votre indignation s'ils n'obtempéraient pas ? Non. Soutenez-vous que le maire de Paris, Bailly, et le marquis de Lafayette n'étaient pas complices de votre fuite, arrêtée à Varennes dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. Oui. Je vous observe que sur ces faits, vous vous trouvez en contradiction avec la déclaration de votre fils. Il est facile de faire dire ce que l'on veut à un enfant de 8 ans. Mais on ne s'est pas contenté d'une seule déclaration.
On la lui a fait répéter plusieurs fois et il a toujours dit le même. Eh bien, je nie les faits. La séance est suspendue. Elle reprendra demain à 9h. Until 3 o'clock in the morning, Marie Antoinette fought. She lied, sometimes, to protect her allies and herself. Compromising letters addressed to Austria were found a long time after her trial. She did lie to defend the image of royalty, to defend the memory of the king to whom her life was linked, and the future of her son, his heir. Auriez-vous un inconvénient à ce que je prenne appui sur votre bras? Tout se passe plutôt bien. Vos réponses impressionnent la foule. J'ai peut-être commis des fautes, mais pas de crimes. Exactement. Désormais, je n'appréhende plus que le témoignage de Manuel. Manuel ? Pourquoi donc ? Je l'ai souvent croisé quand j'étais prisonnière au temple. Il était censé protéger mon amie, la princesse de Lamballe, et ce n'est que la tête sur une pique que j'ai pu la revoir. Cet homme est un monstre sanguinaire. Demain risque d'être une journée éprouvante. Il serait bon que vous preniez un peu de repos. Lieutenant de Bugne, vous êtes en état d'arrestation pour avoir retiré votre chapeau devant la ci-devant reine, pour lui avoir tendu un verre d'eau et pour lui avoir donné le bras. For these gestures, seen as consideration towards royalty, Lieutenant de Bugne would barely escape the guillotine. J'aimerais que vous gardiez ceci en souvenir de moi. C'est bien peu de choses, mais c'est tout ce qui me reste. Merci, madame. Je garderai toujours ce ruban près de moi. Ce que souffle la rue a changé, madame. Alors qu'hier, on réclamait votre tête, aujourd'hui, on dit que vous serez sans doute exilée. J'aimerais tellement revoir mon pays. Le lieutenant de Bugne n'est pas là? Il ne s'occupera plus de toi, citoyenne. Cette charge me revient désormais. Silence dans la salle! Pouvez-vous l'ouvrir, je vous prie. Les reconnaissez-vous ? Oui. Sont-ils bien à vous et vous souvenez-vous qu'on vous les a pris ? Je m'en souviens parfaitement. Vous me les avez pris le 1er août.
lors de mon transfert du temple à la conciergerie. Il y a 76 jours exactement. Ces objets sont la démonstration que la veuve Capet gardait des reliques du ci-devant roi, du ci-devant dauphin, de la ci-devant dauphine. Preuve en est, s'il était besoin, qu'elle est demeurée royaliste. Ces objets sont des souvenirs de mon mari que vous avez guillotiné et de mes enfants que vous m'avez arrachés. Quelle mère ne garderait pas souvenir des êtres qui lui sont le plus chers? Je retiendrai surtout que pour la première fois depuis le début de ce procès, vous nous faites l'honneur de reconnaître les faits qui vous sont reprochés. J'appelle maintenant le citoyen Manuel. Citoyen Manuel, pouvez-vous nous rapporter la teneur des conversations que vous avez eues avec la prévenue ou sa famille? Je ne le puis. Je n'ai jamais eu de rapport avec Marie-Antoinette ni avec sa famille. Il m'est arrivé, en tant que procureur de la commune, de me rendre au temple, mais je n'ai jamais eu d'entretien particulier avec la femme du ci-devant roi. Quel jeu joues-tu, Manuel? Je sais que tu mens. Je ne vois pas ce que tu veux dire, citoyen accusateur public. N'avez-vous jamais eu au temple d'entretien particulier avec le témoin? Non. Jamais. Et je n'ai pas non plus souvenir que mon époux en ait eu avec lui. Emmenez-le. One month after his statement, Manuel would be tried, convicted and guillotined. Executioner become victim. J'appelle maintenant le citoyen Jacques-René Hébert. Citoyen Hébert, je sais qu'il vous est arrivé à plusieurs reprises de rendre visite à la prévenue à la prison du Temple. Oui, je me suis souvent rendu dans sa cellule. C'est pourquoi j'ai la conviction qu'elle ment de manière éhontée quand elle affirme n'avoir eu aucune complicité de l'extérieur. Expliquez-vous. Oui. J'ai trouvé dans sa chambre un missel. Un missel dans lequel se trouvait un cœur enflammé, traversé d'une flèche. Ce même cœur qu'arborent les royalistes insurgés de la Vendée, nos pires ennemis de l'intérieur. Aucune connaissance des faits dont parle Monsieur Hébert. Je sais seulement que le cœur était un simple dessin offert à mon fils par sa sœur. Alors justement, concernant votre fils, depuis qu'il a été confié à un bon patriote pour qu'il soit éduqué en bon républicain, il m'est souvent arrivé de lui parler. Eh bien, le jeune Capet m'a indiqué que pendant son séjour au temple, la famille royale était régulièrement informée par des complices de tout ce qui se passait dans le pays. Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit ici. Il est facile de faire dire ce que l'on veut à un enfant de 8 ans. Il a cité des noms. Des noms qui corroborent nos informations. Mais ce n'est pas tout. Le jeune Capet, dont la constitution physique dépérit chaque jour, a été surpris par le citoyen Simon dans des pratiques indécentes pour son âge. Celui-ci lui ayant demandé qui lui avait appris ses manières, il répondit que c'était sa mère et sa tante qui lui avaient enseigné cette funeste habitude. De la déclaration faite par le jeune Capet, il résulte que, pendant son séjour au temple, ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles deux, et qu'il n'y avait pas à douter, toujours par ce qu'a dit le fils Capet, qu'il y ait eu un acte incestueux entre la mère et le fils. Silence, silence dans la salle.
Merci, citoyen, d'être venu nous apporter votre témoignage. Il y a tout lieu de croire, il y a tout lieu de croire que cette criminelle jouissance n'était point dictée par le plaisir, mais avait pour but, toujours après la mort de Capet, de régner sur le moral de cet enfant que l'on se plaisait à traiter avec la même déférence que s'il avait été roi. L'avez-vous vu ? Non. Non, je ne l'ai pas vu, mais toute la municipalité le certifiera. Vous ne l'avez pas vu. Je voulais... Citoyen président, je vous invite à vouloir bien faire observer à l'accusée qu'elle n'a pas répondu sur le fait dont je viens de parler, à l'égard de ce qui s'est passé entre elle et son fils. Citoyenne Capet, pouvez-vous répondre des accusations d'inceste portées par le citoyen Hébert concernant votre fils ? Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à pareille accusation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui se trouvent ici. Citoyen Hébert, vous pouvez quitter la salle. Hébert has just made a mistake that could help Robespierre get rid of him. His testimony would turn the people in Marie Antoinette's favor. But if, beyond the queen, they now see the woman, they see a woman who is bruised. La séance reprendra à 5 heures. L'audition des témoins est maintenant terminée. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter ? Hier, je ne connaissais pas les témoins. J'ignorais ce qu'ils allaient déposer contre moi. Eh bien... personne n'a dit de moi aucun fait positif. Bien. Les débats sont clos. Avant de laisser la parole à la défense, citoyen accusateur public, veuillez requérir. At this precise moment, Fouquier is gambling his future. He knows his trial has been inconclusive, his witnesses dubious, his evidence inconsistent. So he ignores all that, preferring to play his only trump, reminding the people of their hatred for the Queen before the trial. Dans ce tribunal, c'est le peuple entier qui accuse la veuve Capet. Tous les événements politiques qui ont eu lieu ces 5 dernières années déposent contre elle. La parole est à la défense. Maître Chauveau-Lagarde. L'accusée a eu le malheur d'être reine. Cette idée seule peut d'avance mettre en garde des républicains contre elle. He too knows his life is on the line. One word too many, and he'll be the next on the list. The only margin for action Marie Antoinette's lawyers have is to remind them of the laws of the Republic. Chauveau-Lagarde will strive to do so for more than 2 hours. La justice est une chose. Le sentiment de justice, une autre. Dans ma main se trouve un médaillon et une adresse. Vous égarer si vous n'exercez j'aimerais que vous alliez en personne le porter. Toute la plénitude. Feriez-vous cela pour moi ? Si vous n'exercez sur elle tout l'empire dont vous pouvez être capable. Rien ne saurait égaler l'apparente gravité de la situation. Si ce n'est, peut-être, la ridicule nullité des preuves. Citoyen président, j'en ai terminé. Très bien. Gendarme, arrêtez-le. Pardon ? Qu'est-ce que je... Vous êtes accusé de trahison et d'intelligence avec l'ennemi. Emmenez-le. Je n'ai fait que mon devoir. Maître Tronçon du Coudray, veuillez prendre la place de votre confrère. Citoyens, ce soir, une terrible question s'offre à nous. Saurons-nous être libres sans être des assassins ?
In this theatre of passions that was the Queen's trial, Tronson du Coudray, in spite of the circumstances, also knew his role. A brilliant orator, he will speak for an hour and a half, reminding them that no direct evidence has been presented. En avez-vous terminé? J'en ai fini, citoyen président. Gendarme! Videz vos poches. The arrest of Marie Antoinette's defense lawyers has been voted by the convention even before proceedings began. Before returning to their defense of lost causes, a taste of prison was their reward. Emmenez-les. On his release, Chauveau-Lagarde will plead unsuccessfully for Elizabeth, the king's sister. Tronson du Coudray, sentenced for a coup d'etat against the Directory, will die, deported 5 years later. Marie Antoinette's medallion, addressed to her faithful first chambermaid, who would be arrested, would never reach its intended recipient. Jury's deliberation took less than an hour. Je vais vous demander de répondre l'un après l'autre, clairement et à haute voix, à chacune des questions posées par l'accusation. Citoyen Gannet, est-il constant qu'il ait existé des manœuvres et intelligences avec les puissances étrangères pour leur donner l'entrée du territoire français? Oui. Deliberations are not secret. Oui. In revolutionary oui. France, everyone knows oui. how everyone voted. Oui. The men who convict Marie Antoinette do not know yet that many of them will soon oui. die. Public opinion is fickle. Oui. In 9 months, Nicolas will be guillotined, as will Lumière, oui. Desboisseaux, oui. and Bénard. Oui. Deuxième question. Antoinette Capet a-t-elle coopéré à ses manœuvres? Citoyen Gannet. Oui. 10 months later, Gannet will escape from the cart, taking him to the guillotine. Oui. Renaudin won't be so lucky. Chrétien has but 9 years to live. Oui. Sentenced for an attempt on Bonaparte's life, deportation would see him off. Troisième question. Est-il constant qu'il ait existé un complot tendant à allumer la guerre civile à l'intérieur de la République? Oui. Some will find a way to survive. Oui. Thumas, back in Mayenne, will denounce the Herbertistes. Antonel will grow old in Arles, rich, oui. and eventually persecuted by the royalists. Fallen into oblivion, Baron, oui. Fievé, oui. Devez, oui. others will be saved by their skill. Trinchard, tried and acquitted, oui. will enter Fouché's service as an informant, just like Somba, oui. who will become one of his official painters. And finally, oui. Robespierre's doctor, Soubirous, the most enduring. He'll survive all the regimes, revolution, directory, empire, restoration, and die of old age at over 90. Rue Royale. These are the men who judge the Queen. Faites entrer l'accusé. Antoinette, aux 4 questions posées par l'accusation, les jurés ont répondu oui à l'unanimité. En application de la loi, je requiers donc la peine capitale. Antoinette Capet, vous êtes condamnée à mort par décapitation. La sentence sera exécutée ce jour, 16 octobre 1793 à 11h, sur la place de la Révolution. Vos biens seront saisis. C'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamnée, non pas à une mort honteuse,
elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère. Comme lui, innocente, j'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme, comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. J'ai un profond regret d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existe que pour eux. J'espère qu'un jour, lorsqu'ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous et jouir en entier de vos tendres soins. Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. J'ai à vous parler d'une chose bien pénible à mon cœur. Je sais combien cet enfant doit vous avoir fait de la peine. Pardonnez-lui, ma chère sœur. Pensez à l'âge qu'il a, et combien il est facile de faire dire à un enfant ce qu'on veut, et même ce qu'il ne comprend pas. Un jour viendra, j'espère, où il ne sentira que mieux tout le prix de vos bontés et de votre tendresse. Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre. Je demande pardon à tous ceux que je connais et à vous, ma sœur, en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j'aurais pu leur causer. Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je vous embrasse de tout mon cœur, ainsi que ces pauvres et chers enfants. Mon Dieu, qu'il est déchirant de les quitter pour toujours. Adieu. Adieu. Adieu, ma bonne et tendre sœur. Puisse cette lettre vous arriver. Pensez toujours à moi. This letter, the last of the last Queen of France, would be named for posterity the Testament of Marie Antoinette. Elizabeth will never read it. It was only found years later under the Restoration. Accepteriez-vous de revenir au lever du jour pour m'aider à me préparer? The trial of Marie Antoinette was but the first in a long and bloody list of great trials in the Reign of Terror. The following month, 21 Girondin MPs would appear at a hearing where even the appearance of legality was no longer respected. All would be sent to the guillotine, including Valézé, who in fact committed suicide as the verdict was announced. C'est le protocole, madame. De l'autre côté de cet îlot, c'est l'Autriche. Et sur la rive en face, c'est la France. Il est d'usage que la dauphine soit débarrassée de tous ses biens provenant de son pays d'origine. Pourriez-vous sortir, je vous prie, le temps que je m'habille? Je ne peux pas, citoyenne. Mes ordres sont stricts. Je ne dois pas vous quitter des yeux. Thank you.
The journey on the convict's cart from the Conciergerie to Revolution Square, now Place de la Concorde, usually took just under an hour. Marie Antoinette's would take more than four. The newspapers of the day said the Austrian was made to drink her death slowly. This trial was so pointless that it would be forgotten in weeks, and history books often omit to mention it. It didn't reunite a people tired of a revolution that was slow to deliver liberty, equality, and fraternity. It did, however, begin a series of high-profile political trials of the Reign of Terror. It would have allowed Robespierre to weaken his rival Hébert, guillotined 5 months later with his partisans. They say he writhed in terror before the guillotine. Robespierre, guillotined without trial with his followers the following summer, 28th of July, 1794, victim of the infernal mechanics that he had set up, the terror. Weary of violence, gorged with blood, the revolution, having devoured all of its children, awakes exhausted. In search of compromise, power is deposited in the hands of a directory. Government that does not govern, at the mercy of a strongman. Bonaparte would build a former monarchy turned republic into an empire. Fouquier would be the last to fall, tried 18 months later, blamed for the tribunal and for the terror. On the 7th of May, 1795, he climbs the scaffold 10 months after Robespierre, 18 months after Marie Antoinette. 1 month and 1 day after Fouquier, 8th of June, 1795, at the Temple, barely 10 years old, Charles will die of illness, exhaustion, sorrow. Forgotten tragedy of the long and violent epic of a people bound for liberty. This trial was an accumulation of vengeance, with virtue set against treason, republic against monarchy, homeland against foreigners, men against women.